Claire. Pardon. Voilà. Olé. Donc, 8e édition, un événement important pour 70 entreprises italiennes qui vont présenter leurs produits qui ont une caractéristique, la qualité. La qualité des produits italiens, c'est connu dans tout le monde et très, très apprécié. C'est la foire de design, de l'aménagement de l'intérieur. Donc, nous font confiance sur la collaboration qu'ils ont déjà établie avec le partenaire marocain et nous espérons que de nouvelles collaborations vont être développées entre le Maroc et l'Italie dans ce domaine et aussi d'avoir de nouveaux amis africains. Nous avons invité 40 représentantes de 7 pays d'Afrique. Donc, le cible est d'avoir des collaborations en Afrique et de pouvoir compter sur le Maroc comme hub et porte vers l'Afrique. L'ITM édition, ça veut dire que nous avons bien travaillé pour arriver à la 8e. Donc, c'est très important. Nous avons commencé avec des petites moyennes, avec des petites sociétés, et maintenant, nous sommes l'événement italien le plus grand de l'année. Aujourd'hui, il y a ici quelque chose comme 50, 60, 70, dépend des stands, des sociétés très intéressantes, des productions, des opportunités. Et donc, ma responsabilité surtout est de la relation entre le Maroc et l'Italie, et l'Italie et le Maroc. Et pour moi, avoir toute cette opportunité d'avoir des B2B avec des sociétés italiennes et marocaines, je suis l'homme plus heureux du monde. Made in It, c'est une société qui, de la foire de Vérone, qui est très importante dans l'Italie pour l'organisation des manifestations internationales. Et ici au Maroc, il est 8 ans qu'on organise Made in It. On a une très bonne participation de sociétés très qualifiées, même cette année. Et je pense que peut-être une très bonne occasion de business entre les sociétés italiennes et les partenaires marocains. En plus, cette année, comme l'année passée, on a en participation des 7 pays de l'Afrique qui sont là avec des architectes pour connaître les savoir-faire italiennes et même l'opportunité qu'ici à Casa on peut avoir. La présence à Made in It, c'est toujours une présence de découverte et d'échange. Parce que de toute façon, l'Italie est bien connue pour la qualité des produits et le design très avancé. Donc c'est pour cela que chaque fois, je pense que pour notre métier, c'est important de se ressourcer chaque fois, de voir les nouvelles tendances et aussi de construire des partenariats avec les entreprises italiennes. Ce qui est important aussi, la présence au Maroc est double en plus, puisque nous avons une convention de partenariat signée avec l'Ordre des architectes du Maroc. Une convention de collaboration, et dans cette convention de collaboration, je pense que ça rejoint parfaitement l'esprit du Made in It, qui pour nous, le Maroc, est la porte d'entrée. Pour moi, la contamination culturelle, c'est très important. Le Maroc, il a sa culture que j'aime beaucoup. Pour moi, comme décorateur d'intérieur, c'est impossible d'être pris dans la histoire marocaine. Et parce que les couleurs, les formes, les ambiances, les parfums et le matériel qu'utilise le Maroc, c'est une chose pour moi magique. Et alors la combinaison mieux, c'est de mettre le savoir-faire italien avec l'histoire marocaine et faire de grands travaux ensemble pour chercher de trouver peut-être un nouveau style. Pourquoi pas? L'objectif de l'exposition qui s'est déroulée est la promotion. بعد نعرفوا بالاكاديميه نعرفوا بالشعاب اللي كاينين في الاكاديميه ونفتحوا سورتو على لو ديزاين اترونجي كيلكو سوا ايطاليان لي ديزاين دوبجي لي ديزاين كما كتشوفوا هنا كاع لي سبيسياليتي تقريبا اللي في الاكاديميه كيهتموا بالجانب ديال لو ديزاين ديال لا كرياسيون ديال انوفاسيون وكنشوفوا حنا حتى لا تكنولوجي فين وصلت بلو ديزاين كتشوفوا ديك الفارق ما بين فوالا الفارق ما بين لا تكنولوجي
ou design كيفاش surtout quand ليهم directement l'artisanat كيفاش نستعملوا la technologie في l'artisanat